Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de National Glory News. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes les explosions des missiles disponibles sur les admin shops de National Glory. Donc pour ceux qui veulent voir l'explosion d'un missile précis, je vous mettrai tout de suite là affiché le temps du tiers où je vais faire tout simplement. Donc si vous voulez voir un certain missile tier 1, le temps sera affiché, tier 2, tier 3 ou tier 4. Donc voilà. Donc on va directement commencer tout de suite. Donc on va commencer par les plus petits missiles, bien sûr les missiles tier 1. Et donc on finira par le tout dernier missile, le missile antimatière, donc bien sûr 2 tier 4. Alors on va commencer par le missile conventionnel. Du coup, vous voyez, le missile conventionnel est disponible sur tous les serveurs de Nation Glory, donc vous pouvez l'acheter n'importe où. Du coup, pour voir l'explosion, j'ai juste à prendre le missile, voilà. Je le pose bien sûr sur la plateforme et pour le lancer, je vais prendre un truc un peu spécial que je vais reparler dans la prochaine vidéo. Donc comment bien lancer un missile. Si vous voulez, si vous ne savez pas comment lancer un missile, vous pouvez voir le tuto précédent que j'ai fait, donc qui est comment lancer un missile. Et le tuto d'après que je ferai, ça sera comment lancer un missile, mais bien mieux de façon pro, avec un rocket launcher, avec des trucs comme ça, enfin bref. Du coup, moi je vais prendre un item qui s'appelle le laser designator qui est juste là. Donc voilà, c'est un item un peu bizarre. Je vais mettre une fréquence. Donc ça, je vous expliquerai bien sûr dans la vidéo d'après. Du coup, j'ai juste à enlever le levier, c'est bon. Et je vais prendre une pancarte, c'est-à-dire que je vais marquer toutes les explosions, qu'est-ce qu'elles vont faire. Hop, voilà, je vais mettre le missile comme ça. Donc je vais prendre une pancarte. Donc là, on a le missile conventionnel. Donc je vais le mettre par exemple ici. Voilà, donc ça fait un petit bruit un peu bizarre. Hop, donc là, vous voyez dans le chat. Là, à chaque fois j'ai un petit freeze, mais c'est pas bien grave. Alors, le missile conventionnel, donc bien sûr c'est un missile de tier 1, donc voilà, ça fait le trou du un peu plus d'une TNT, je pense, celui-là. Donc il est assez classique, mais franchement, il est pas mal. Du coup, j'ai plus qu'à mettre conventionnel. Voilà, comme ça. Ensuite, nous avons le missile répulsif. Donc le missile répulsif, c'est aussi marqué disponible sur tous les serveurs Nation Glory. Du coup, le missile répulsif, c'est lequel? C'est celui-là. Hop, je le mets sur la plateforme comme avant. Et là, je vais le mettre quelque part d'autre, pas au même endroit, bien sûr. Je vais par exemple le mettre ici, voilà, sur la fleur. Tiens, la pauvre, elle va souffrir. Du coup, 3, 2, 1. Voilà, donc celui-là, il me semble qu'il fait un plus petit trou. Voilà, ouais, celui-là, il fait vraiment un petit trou plus petit qu'une TNT. Du coup, je mets répulsive. Voilà. Donc, vous verrez que le conventionnel, quand même, est bien plus gros. Il doit être au moins 5 fois plus gros que par rapport aux répulsives. Du coup, maintenant, on va faire le missile attractive. Alors, le missile attractive, ça bug un petit peu les trucs. Voilà. Mettre de loin. Donc, disponible sur tous les serveurs Nation Glory. Comme le conventionnel et le répulsif, d'ailleurs. Du coup, l'attractive, il me semble qu'il fait un trou à peu près comme les répulsives, sauf que... Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, oui, en fait. Bon, on va déjà lancer de l'attractive. Du coup, l'attractive, en fait, il va attirer les gens qui sont autour dans le trou que vous allez faire. Donc, par exemple, je vais faire le trou ici. Si moi, je me mets là, il me semble que ça va m'attirer dedans. Donc, vous allez voir. Hop, voilà, le missile va être lancé. Et moi, vu que je suis juste à côté... Non, oh, ça fait rien du tout. Oula, oui. Non, en fait, si, si, ça, vous voyez bien, ça a bien fait bouger les items en fait. Ça les a fait bouger un peu bizarrement. Et j'ai oublié de vous montrer aussi le missile répulsive. Il a une particularité, vous aurez deviné sûrement, il repousse en fait les autres. Du coup, hop, j'ai juste à le renvoyer là, voilà. Je vais me mettre vraiment juste à côté pour bien voir si ça marche. Du coup, le missile est lancé. Hop, il arrive juste à côté et là, ouais, voilà. Vous pouvez voir quand même, ça m'a bien expulsé, voilà. Donc là, bon, c'est pas grave, hein, ça fait deux trous. On va mettre, je vais mettre x2 répulsive, voilà. Et donc vous voyez que le répulsive, vraiment, il expulse assez loin, surtout assez haut en fait, et pas très très loin, mais assez haut. Et l'attractive, j'ai pas été assez proche, mais voilà. Donc par le nom, vous voyez bien il attire les gens en fait dans le trou. Donc il reste deux missiles tier 1. Donc on va faire le débilisation. Donc le débilisation, voilà, donc disponible sur tous les serveurs premium et le serveur black. Donc c'est-à-dire que sur le serveur white, grey et brown, il n'est pas disponible. Du coup, on va mettre le missile débilisation juste ici. Et là, je vais me munir d'un seau de lait car il me semble que c'est un peu chiant.
Du coup, j'ai plus qu'à le lancer juste à côté. Il me semble pas que ça fasse de trou, du coup, je vais mettre ça là. Voilà, donc il va être lancé. Par contre, ça va être assez chiant, il va falloir que je m'écarte, vu que les effets durent assez longtemps. Donc vous voyez, hop, ça va faire une grosse boule normalement. Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment une grosse boule de fumée en fait. Qui, surtout, regardez, quand je me mets à peu près à côté, voilà, ouais, voilà, ici. Donc quand on se met à côté, tout simplement, vous voyez, hop, je vais juste aller là. Okay, on n'y voit pas très très bien, mais j'ai lenteur 3, fatigue et nausée. Donc c'est vraiment très très chiant. Et en plus, lenteur 3 et fatigue durent 1 minute. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va être chiant. Donc après le missile d'épilation, nous avons le missile Chemical. Donc voilà, donc disponible sur les serveurs Red, Brown et Yellow. Donc que sur 3 serveurs, pas sur tous. Du coup, je pense que vous avez deviné encore une fois, le missile Chemical, c'est tout simplement un missile chimique. Et donc je vais garder mon seau de lait à côté et je vais le lancer au même endroit. Hop, je vais le lancer juste ici. En plus, il a un bout un peu bizarre. Là, il est orange comme ça. Du coup, vous voyez. Il est lancé et là normalement ça va faire une grosse boule aussi. Même pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'a pas marché. Alors je n'ai pas l'impression que ça a marché. C'est un peu bizarre. Je vais retester, mais c'est très bizarre là. Ça n'a pas marché. Donc, je vais reprendre un laser designator. Ce même en créatif, il commence à broc. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, forcément. Mais c'est très bizarre en tout cas, il me semble pas que ça ait marché. Hein. Regardez, je vais me mettre sur le bloc carrément. Voilà. Je vais me mettre ici et je vais voir si ça marche. Mais il me semble pas que le missile Chemical soit activé du coup. Oh, ça fait bizarre. Non, donc le missile Chemical ne marche pas. Mais il me semble que ça a donné poison et tous les trucs chiants en fait. Voilà. Donc voilà, passons maintenant au missile de tier 2. Donc pour les missiles de tier 2, hop, je vais juste enlever ça. Je vais charger les missiles. Voilà. Je vais juste tout bouger, enfin voilà. Du coup, je reprends mon laser designator et ça. Alors, on va commencer par le missile anti-balistique. Donc voilà, disponible sur tous les serveurs de Nation Glory. Missile anti-balistique, normalement, c'est le plus petit. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, en fait, qui détruit les autres missiles qui sont déjà en l'air. Mais je vais pas vous montrer parce que voilà, en fait, c'est pas spectaculaire. Je vais juste vous montrer un trou, parce que vu que c'est un missile de tier 2, ça fait quand même un trou. Voilà. Du coup, je vais lancer à côté. Voilà, je vais le lancer ici. Hop, je vais décaler l'item dans mon inventaire. Et donc là, ça va déjà être un peu plus puissant que l'attractif ou que le répulsif, hein, forcément. Du coup, celui-là, il fait un trou. Voilà, comme ça. Ouais, c'est plus grand que le conventionnel. Je dirais à peu près 2 fois plus grand que le conventionnel. Donc, ça commence clairement à faire un trou raisonnable, hein. Un trou de cette taille-là, franchement, c'est déjà pas mal. Du coup, on va juste marquer que ça, c'est fait par le missile anti-balistique. Après le missile anti-balistique, nous avons le missile Breaching, disponible sur tous les serveurs de Nation Glory, voilà, sauf le serveur Green. Voilà, donc il n'est pas dans l'admin shop du serveur Green. Donc, juste à prendre, hop, le Breaching qui est juste là, voilà. Je vais le mettre sur le launcher. Et ça va faire un trou en profondeur, il me semble, à peu près de la taille de l'anti-balistique, mais en profondeur. Du coup, je vais lancer, voilà, ici. Ouais, non, c'est bon, ça devrait aller. Pour les prochains missiles, je vais y mettre un peu plus loin, tout simplement, puisque là, ça commence à devenir un peu plus gros. Voilà, donc celui-là. Ouais, non, celui-là, en fait, il est plus petit que celui d'avant, mais vous voyez, ça a bien creusé en profondeur, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc ouais, ça, en fait, ça creuse de 10 blocs de profondeur. Donc franchement, c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, le missile Cluster. Donc, le missile Cluster. Oh, ça bug un peu. Voilà. Donc, c'est disponible sur tous les serveurs de Nation Glory. Celui-là, il est clairement pas puissant. Hein, je vous le dis directement. Celui-là est pas puissant. C'est juste que, comme c'est un cluster, en fait, ça va faire partir plusieurs missiles de chaque côté. Enfin, c'est un peu bizarre, mais ça fait vraiment des trous petits. Hein. Du coup, je vais essayer par exemple de le lancer ici. Voilà. Du coup, vous allez voir que ça fait. Moi, j'aime pas trop le missile cluster, parce que ça fait vraiment pas des gros missiles, pas des gros trous. Vous voyez, là, il se décompose. D'ailleurs, on voit même plus les missiles. Ah si, ah si, si, là, ça a bien marché. Ça a pas mal marché, d'accord. Donc, oui, là, ça va, franchement, c'est pas mal. Donc, ça nous a fait 4 trous. Un ici, voilà, deux là. On voit bien les deux différents. Et ici, du coup, je vais mettre partout marqué cluster. Donc là, je vais vous montrer le missile incendiary. Donc, ok. Ça, voilà, donc c'est disponible sur tous les serveurs craqués, donc tout serveur qui est disponible sans avoir de compte premium, sauf le serveur Red et sur les serveurs Red et Yellow.
Donc, ça veut dire qu'il est disponible sur 6 serveurs. Donc, sur les serveurs White, Gray, Brown, Black, Red et Yellow. Donc, voilà, mettez pause si vous n'avez pas tout entendu. Du coup, l'incendiary, ça fait pas trou. C'est facile à deviner, hein. C'est tout simplement, en fait, des flammes. Voilà. Par contre, ça met quand même pas mal de flammes, hein, vous allez voir. Du coup, j'aurais pas besoin de mettre de pancarte, mais ça fait quand même pas mal de flammes. Je pense que j'aurais dû le lancer sur l'arbre à côté, mais bon, c'est pas bien grave. Vous voyez, le missile arrive là et. Voilà, ça fait quand même pas mal de flammes, hein, vous voyez. Oula, beaucoup de fumée. Ouais, je vais pas aller trop près, sinon ça me fait un peu laguer. Ah, et là, voilà. Donc l'arbre, il a déjà pris. Ouh, il prend cher l'arbre. Ouh, les feuilles, elles prennent vraiment cher là. Bon, vous voyez, ça fait quand même sur une assez grande zone. Mais ce qui est dommage, c'est que les flammes s'enlèvent. Mais c'est normal vu que c'est des flammes. Donc là, on va arriver sur les trois derniers plus gros missiles. Missile fragmentation, donc voilà. Donc il est disponible sur tous les serveurs de Nation Glory, que ce soit Kraken ou Premium. Du coup, je vais mettre, voilà, le missile fragmentation ici. Oh, il est gros celui-là, il est vraiment gros. Du coup, celui-là, on va le mettre peut-être un peu plus loin. Bah, tenez, à la place du missile incendiary. Donc je vais le mettre ici, voilà. C'est quand même un beau laser, hein. Du coup, le missile va partir. Celui-là est assez gros, je trouve, hein. Plus que les autres, ça se remarque bien. Du coup, celui-là. Ah, d'accord. Ah oui, c'est chiant. Oui, c'est clairement chiant, d'accord. Ah oui, je m'en souvenais pas que c'était comme ça. Du coup, voilà. Ouah, ça fait un beau trou en profondeur en vrai. Waouh. Et celui-là est franchement pas mal. Ça fait des flèches explosives. Du coup, au milieu, je vais mettre celui-là. Fragmentation. Franchement, celui-là était joli. Il était. Ah oui, ça se voit quand même largement qu'il est plus gros que les autres. Hein. Ça se repère directement. D'ailleurs, ça me fait un petit peu laguer. Donc là, on va arriver sur les deux missiles les plus chiants. Donc là, ça va vraiment se voir que c'est chiant. Le thermobaril, je vais le laisser pour la fin. Car il est un peu bugué d'ailleurs. Mais je vais le laisser pour la fin parce que je trouve qu'il est quand même assez gros. On va prendre le Sonic. Donc voilà, disponible sur tous les serveurs de Nation Glory. Et le Sonic est déjà quand même pas mal. Hein. Il est aussi gros que celui d'avant, je crois bien, avec un petit bout bleu là, assez joli. Du coup, on va le mettre autre part. Celui-là, je sais que ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Vous voyez que le missile incendiary. Ah, il a pas enlevé tout le tronc, le missile incendiary, mais il a déjà enlevé toutes les feuilles autour, c'est déjà pas mal. Missile Sonic, je vais le mettre là. Donc voilà, donc un peu plus écarté des autres. Du coup, ça commence quand même à faire pas mal de trous de missiles là. Hein. Voilà, le missile est lancé. Il va assez haut celui-là. Alors. Vous allez voir que celui-là. Voilà, celui-là, c'est clairement un missile chiant. J'aurais dû le lancer plus loin, ça va arriver dans mes trucs. Bon, c'est pas bien grave, je vais enlever les blocs après. Ah oui, c'est vraiment. Vous voyez que c'est chiant. Oh, en plus, ça m'a carrément enlevé mes spikes et tout. Waouh, celui-là, j'aurais dû le lancer clairement plus loin. Ah. Alors, celui-là, le missile Sonic, clairement, si vous voulez vous amuser sur un pays ennemi. Lancez-le, clairement lancez-le. Regardez-moi ça quoi. Oh, le trou que ça fait, c'est vraiment bien plus gros que celui d'avant, hein, ça se repère. Hein. Waouh. Alors là, je vais mettre du coup Sonic. Alors Sonic, c'est vraiment un missile chiant. Ça met des blocs de partout, clairement. Ma map là, elle est foutue, voilà. Je pourrais quasiment pas la réutiliser, malheureusement. Mais elle est bien ravagée. Vous voyez que les blocs, regardez, le missile est là. Et les blocs, mais ils vont, mais tellement loin. Regardez, il y a encore des blocs. Il y a encore des blocs là-bas, mais regardez. Waouh, on voit même plus mon camp là-bas. Voilà, ça envoie vraiment des missiles hyper loin. Pardon, je me suis trompé. Ça envoie vraiment des blocs hyper loin. Parce que des missiles, ça serait un peu trop cheaté. Voilà, donc là, on arrive pour le dernier missile, le missile thermobarique, disponible sur tous les serveurs de Nation Glory. Alors, je pense clairement qu'en fait, le thermobarique fait un moins gros trou. Disons que. Enfin. Disons qu'il est un peu moins chiant. Ça fait un plus gros trou que ça, je crois bien. Mais ça éparpille pas des blocs tout autour. Ça me fait laguer tous ces blocs, c'est un peu chiant. Du coup, d'accord, donc j'ai carrément un bloc ici. Je vais l'enlever pour pas que ça explose directement quand je lance. Du coup, le thermobaric, on leur dit une fusée le truc, hein. Le truc, ça va partir dans le ciel. Il est vraiment énorme. Il est assez fin, mais il est vraiment énorme. Donc celui-là, je vais le mettre. Bon, vous savez quoi? Je vais le faire exploser carrément sur les blocs là. Hop, je vais le lancer ici le thermobaric. Voilà. Du coup, ouais, hey, il est grand quand même celui-là. Hein. Mais les blocs de dirt que ça met partout, c'est vraiment chiant. Bon, c'est pas bien grave. Hop, je lance le missile thermobarique. Il va bien où? Je lag ou quoi? Ah non, c'était peut-être le missile. Ouah, le bruit que ça a fait celui-là, c'était vraiment joli. Donc vous voyez, le trou, juste le trou. Voilà, ça fait vraiment un beau trou quand même. Hein. Un beau bébé le truc.
Et allez, par rapport au missile Sonic, allez, missile Sonic c'était ça. Thermobaric, ouais, le thermobaric est au moins 2 fois plus gros quoi. Ouais, non, eh, franchement, thermobaric pas mal. Si vous voulez balancer un tir 2 qui fasse mal, franchement, balancez un thermobaric, hein. Alors maintenant, on va arriver au missile de tir 3. D'ailleurs, ça c'est un peu chiant, ça m'a tout gâché. Alors maintenant, on arrive au missile de tir 3. Voilà, du coup, je vais faire par ordre croissant, c'est-à-dire que je vais faire du plus petit au plus gros, tier 3, en finissant par le tier 4, bien sûr, l'antimatière. Donc je l'ai mis là parce que je voulais pas le foutre en plein milieu, bref. Les blocs partout, c'est vraiment chiant ça, hein. J'ai vraiment galéré à tout enlever, hein. Donc voilà, alors on va commencer par le Under Missile, qui celui-là ne fait pas de trou, mais vous les allez voir, c'est chiant. En gros, c'est chiant, mais sans plus quoi, c'est moins chiant que le Sonic qui fait quand même un beau trou, hein, qu'on se le rappelle. Donc, voilà, donc. Disponible sur les serveurs White, Blue, Red et Yellow. Donc que sur 4 serveurs. Donc White, Blue, Red et Yellow. Donc l'Under Missile, voilà, normalement il est. Ouais, il est gros quand même, hein. Il est vachement gros. Et on a remarqué le petit œil du néant là. On sait pourquoi, vu que ça va tout simplement m'expulser un peu plus loin. Du coup, je vais vous montrer. Pour ça, il faut se rapprocher. C'est-à-dire qu'en fait, je vais le faire exploser. Ouf, ici, voilà. De toute façon, ça fait pas de trou, donc on s'en fout. Regardez, je vais mettre genre à peu près ici. Vous voyez que le missile va être lancé. Ouais, et celui-là, il est gros, hein. Celui-là, il est. Franchement, il est assez gros. Hop. Du coup, vous voyez, je suis attiré autour avec des petites particules et. Je suis téléporté assez loin. C'est ça qui est chiant en fait, c'est que t'es téléporté loin, mais à part ça, en fait, ça va. Voilà, donc moi, je suis en game mode 1, bien sûr, je peux fly. Je m'en fous un petit peu des trucs. Du coup, vous voyez, je l'ai lancé. Ouais, bon, en fait, on voit même pas de trou, quoi. Non, ça n'a clairement pas fait de trou. Donc, on s'en fout, en fait, du trou. Donc là, on passe sur un niveau bien plus supérieur. Là, je pense que je ne vais pas utiliser le laser designator. Quoique, si, je vais l'utiliser. Mais disons que. On se rappelle dans le tuto d'avant que j'avais dit que le launcher plateforme T3 peut envoyer des missiles jusqu'à 600 blocs. Et là, clairement. Je pense pas que je vais y envoyer à 600 blocs, mais peut-être déjà au moins à 400 blocs. Parce que, déjà, vu son nom, Hypersonic. Donc, Hypersonic est disponible sur tous les serveurs de Nation Glory. Alors, l'Hypersonic, déjà, il me semble que c'est celui-là, voilà. L'Hypersonic, déjà, il est assez gros. Moi, il me semble qu'il est un petit peu moins gros que celui d'avant. Les missiles sont un peu buggés dans ce mode, mais bon, c'est pas bien grave, franchement, c'est rigolo. Du coup, je vais prendre les coordonnées. Alors, je vous rejoins tout de suite une fois que j'ai fini. Bon les gens, en fait je crois bien que le missile a des pops vu que j'ai dû décharger les chunks, voilà tout simplement. C'est vrai que j'ai été un peu con sur ce coup, mais c'est pas bien grave, hop. J'ai juste à refaire la petite structure, donc à tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai reposé tout ça, j'ai bien set sur une autre fréquence, donc vous verrez bien dans le prochain tuto. Je repose un missile là, donc vous voyez, je suis resté au même endroit, je suis toujours à 400 blocs. Et je vais le lancer là, voilà, hop. Quand il va être lancé, je vais directement tout détruire là par contre, hop. Faut que je me dépêche. Voilà. Hop. Je vais remettre le bloc. Alors, il est où? Il est. Le truc ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Oh, tous les blocs en l'air. Mais tout ce que ça a foutu. Oh, ma pauvre map quoi. Mais. En vrai, le trou est pas non plus énormément plus grand que le trou du Sonic, hein, je crois bien. Mais ouais, clairement, oui. Ça fait quand même pas mal de dégâts quoi. Oh. Ok, donc le missile était là, était lancé à 400 mètres de la base. Je vais voir jusqu'à où il y a des blocs. Peut-être. Oh, c'est vrai que je l'ai lancé peut-être un peu trop loin. Mais franchement, regardez. Hey, ça fait quand même déjà 100 blocs. On voit encore justement des blocs un peu partout. Heureusement que je l'ai lancé loin pour pas que ça me fasse tout le temps laguer. Donc ouais, il y a encore des blocs là-bas. Ouais, en fait, à 200 blocs. Ah non, regardez. Ah ouais, non, ça c'est du Sonic normal. D'accord, donc en fait ça balance des missiles à 200 blocs quoi, c'est vraiment énorme ce truc. Après, je crois bien qu'il n'y a pas énormément de différence par rapport au Sonic. Le Sonic là, j'ai vu le premier bloc à 150 blocs aussi de la base, à 150 mètres de la base. Du coup, l'hypersonic était pas mal, mais je sais pas, je trouve pas assez puissant pour un tier 3, voilà. Du coup, là, on passe aux choses vraiment lourdes, tu vois. Donc là, missile nucléaire disponible sur tous les serveurs de Nation Glory. Voilà, il est ici. Hop, je le mets. Wow. Ah oui, il est vraiment gros celui-là, quoi. Alors, non, juste, je vais reset sur la fréquence. Voilà.
Je vais peut-être le faire exploser à côté, genre ici. Merde. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Ça va être à côté, à son. Si ça va l'envoyer, ça va être bon. Hop, je pars, je le suis. Alors, le missile nucléaire. Attendez, hop, je vais rester là. Voilà. Ah oui! Ah oui, c'est. C'est pas mal quand même, quoi. J'aime bien comment les blocs ils se posent après, c'est. Eh mais. Et puis, regardez, en plus, ça fait du mycélium, c'est ça, un peu radioactif du coup. Ouah, elle, le trou que ça fait, c'est clairement un truc de ouf, hein. Waouh. Ah oui, c'est. Franchement, c'est pas mal, ouais. Ouais, non, je m'en souvenais plus que c'était aussi gros. Franchement, ouais, c'est vachement bien. D'ailleurs, là-bas, j'ai cru que j'avais perdu la base. Non, c'est bon, elle est là. Du coup, ouais, le nucléaire est pas mal. Mais le nucléaire cluster est mieux. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on passe à l'avant-dernier missile. Donc, cette fois-ci, c'est le missile nucléaire cluster. Donc, disponible sur tous les serveurs, sauf le Yellow. Pauvre Yellow, ils pourront pas subir le choc du nucléaire cluster. Alors, nucléaire cluster. Je vais mettre là, je vais faire comme avec le nucléaire, je vais essayer d'y balancer un peu plus loin, tu vois, genre à peu près par là-bas. Non, peut-être plus par là-bas en fait. Ok, c'est bon. J'ai dû cliquer plusieurs fois. Alors, de 1, je vais suivre le missile. Voilà, hop. Dans la direction. Eh, les nuages sont vraiment beaux, franchement. Alors, quand est-ce qu'il va retomber? Ah bah oui, c'est un cluster, hein. Waouh! Attendez, c'est une plateforme buggée ça ou y'a. Ah non, y'a rien. Ah oui, d'accord. Alors, le nucléaire cluster, certes, ça fait bugger un petit peu la map. Mais clairement. En fait, je sais pas ça. Je pense que ça doit drop. Enfin, ça doit faire en 3. En 3 missiles nucléaires. Parce que voilà, vu que c'est un nucléaire cluster. Oh, il y a le trou nucléaire à côté. Ouais, on voit un peu les. On peut s'imaginer un petit peu les 3 trous du nucléaire cluster. Oh, et le nucléaire cluster est vraiment énorme. Si vous voulez exploser un pays, franchement, prenez ça. C'est vraiment énorme. Alors, ça, on va mettre nucléaire cluster. Voilà, c'est pas mal. Mais je préfère largement le dernier que vous allez voir. Il est pas mal aussi. Donc voilà. On peut enlever le missile nucléaire. On peut enlever le laser d'illuminator, je m'en fous. On prend le missile antimatière. Voilà, donc oui, disponible sur tous les serveurs de Nation Glory. Mais il coûte quand même 1 million de dollars. Donc si vous voulez l'acheter, c'est que vous avez pas mal d'argent. Alors celui-là, il est plus petit que le missile nucléaire, je trouve. Enfin non, c'est pas je trouve en fait, il est plus petit. Voilà, j'enlevais le petit waypoint, il était chiant. Il est un peu bugué leur truc là, je crois bien, mais non, c'est bon, c'est pas bien grave. Vu le trou que ça fait, franchement, c'est pas bien grave. Alors, le missile nucléaire cluster, faut peut-être que je reprenne un truc pour le lancer, ça sera un peu mieux, voilà. Alors, celui-là, il est franchement trop gros. Pour ceux qui n'ont pas vu de nucléaire, d'antimatière exploser, celui-là est vraiment joli. Alors. Je vais essayer de pas décharger les chunks, pas faire la connerie comme avec l'hypersonique. Je vais le faire éclater là-bas. Ok, ça a marché. Donc l'antimatière, donc voilà, il est vraiment beau le petit bout là. Voilà, tout simplement les gens, faut pas faire ce que j'ai fait. Tout simplement j'ai enlevé le laser designator alors que l'antimatière allait se lancer. Faut pas que je fasse ça. Voilà, du coup l'antimatière est toujours dessus. On le lance là-bas. Et là, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc le missile est lancé. Là, je peux enlever mon laser designator. Qu'est-ce que ça fait? Ok, non, c'est bon. J'ai cru que comme j'avais enlevé mon laser designator, ça allait mal le faire. Il est monté vraiment haut. Il doit être au moins à la couche 200 là. Oh, attention. Voilà, tout simplement, j'ai pas parlé pour augmenter le son, mais. Pour vous dire, il y a 52 couches. Tout simplement, j'ai augmenté les pré-réglages de cette map. C'est-à-dire que j'ai mis les blocs d'herbe, voilà, normaux. J'ai mis 50 couches de dirt et bien sûr, il y a la couche de bedrock. Et regardez, le missile est tellement puissant que ça a carrément enlevé la bedrock. Ça fait un trou, mais c'est clairement énorme le trou que ça a fait. Regardez, on peut tomber dans le vide. On peut clairement tomber dans le vide à cause de ça. L'antimatière, c'est. C'est clairement un truc de ouf. Regardez-moi ce trou, quoi.
En plus, ce que j'aime vraiment bien chez ICBM, chez le mode ICBM, simplement c'est pas une belle sphère comme on aime, tu vois. Genre c'est une sphère vraiment disproportionnée, tu vois, genre avec plein de trous partout. Et c'est ça qui fait vraiment le côté missile, quoi. Et franchement, bon, ça je pense que j'ai pas besoin de mettre de pancarte. Ok, donc en fait, avec ma rendeur distance, pourtant je suis en normal, hein. Voilà, je me suis mis en normal parce que je pensais que ça allait suffire. Mais regardez, si je me mets au bord, je vois mal l'autre côté. Voilà, donc, et franchement, regardez, au niveau des chunks, simplement au niveau des chunks, c'est vraiment énorme. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé le Sonic, j'ai bien aimé l'hypersonique. Nucléaire, c'était un plaisir. Alors, le nucléaire cluster, c'était vraiment bien. Mais alors, l'antimatière, on voit un petit trou là. Franchement, le nucléaire, l'antimatière est vraiment super bien. Donc voilà, c'était tous les missiles qui sont disponibles sur Nation Glory. Donc je pense que ce petit tuto un peu divertissement vous a plu. Du coup, on se retrouve à bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut!